Le sommaire. Donc, on va commencer par rappeler rapidement les bases du référencement naturel. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelles sont les limites. Je pense que pour une partie d'entre vous, il y aura sans doute des choses qui sont très connues. Mais comme je ne connais pas forcément les niveaux des uns et des autres, bah, je vais faire quelque chose d'assez général. Si vraiment c'est acquis pour tout le monde, n'hésitez pas à me dire ça en fait et on accélérera pour rentrer dans la suite. En deuxième partie, on va analyser quelques cas concrets. Donc, je vous montrerai des cas d'entreprise positifs et négatifs de ce qu'on peut faire avec du référencement. Et comment ça peut impacter la réussite ou l'échec d'une société sur Internet. On va brosser aussi les fondamentaux. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour optimiser son référencement naturel et être visible. Et après, on se posera des questions business sur le retour sur investissement, quel budget consacrer, qu'est-ce qu'on peut en espérer et comment calculer tout ça. Et après, on prendra une partie sur qu'est-ce qu'on fait concrètement de façon opérationnelle pour prendre en charge le SEO dans son entreprise. Est-ce qu'il faut mieux se former, recruter, déléguer ou un peu détendre? Là, sur ce point-là, n'hésitez pas à poser des questions parce que je pense que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas forcément beaucoup de données. Ça peut être intéressant pour vous d'avoir le recul d'un professionnel sur le sujet. Avant d'entamer la présentation, je voudrais me présenter rapidement et présenter mon agence. Donc, moi, je m'appelle Laurent Brice. J'ai fondé cette agence en 2014, donc elle a 7 ans d'existence. Et avant, pendant 5 ans, j'ai été directeur associé d'un site e-commerce qui faisait de la décoration. Et donc, on faisait de la vente de produits de déco sur Internet. Et c'est là où j'ai découvert le référencement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté ce site avec deux amis. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout de trafic et que le trafic coûtait très cher. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le référencement, en fait, où j'ai mis un petit peu les mains dans le cambouis. J'ai appris les règles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, donc c'était entre 2007 et 2012, les règles du SEO, la façon de faire, n'était pas du tout la même et c'était beaucoup plus facile. Et depuis cette date, notamment avec les mises à jour de l'algo de Google en 2011 et 2012, ça s'est beaucoup complexifié. J'y reviendrai après, donc comment on fait. Et pour info, on faisait à peu près 5 000 visiteurs par jour sur ce site. Suite à ça, moi, je me suis décidé à fonder une agence SEO. Donc, au départ, j'étais seul. Et en fait, c'est une agence qui est basée à Toulouse, mais on travaille partout en France. Et on commence à avoir un petit peu des problématiques internationales, parce que là, on commence pour la première fois à travailler sur un site en anglais. Aujourd'hui, Valipito, c'est 4 personnes. Point important auquel je tiens, on est une agence 100% SEO. C'est-à-dire qu'on ne fait que ça, on ne fait pas de community management, on ne fait pas de site web, on ne fait pas de Google Ads, on ne fait pas de Facebook Ads, on ne fait pas de vidéo. Voilà, on fait vraiment 100% du SEO. Mais ça veut dire aussi qu'on fait tout le spectre du SEO, la rédaction de contenu optimisé, la création de liens, la partie technique, des audits, l'analyse aussi un petit peu de la conversion quand on parle de SEO, des pages, mais vraiment que du SEO. Nos clients sont principalement des e-commerçants ou des sites qu'on va appeler d'acquisition de leads, c'est-à-dire des sites en fait dont le business model va reposer sur le fait de générer des contacts sur Internet, donc de trouver des contacts principalement sur Internet, donc ils vont vivre principalement de ce qui se passe sur le web. Donc c'est assez peu des commerces physiques, c'est vraiment des gens qui sont des pure players ou qui génèrent une grosse partie de leur chiffre d'affaires via Google. Notre philosophie, elle est basée sur une vision long terme. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps qu'on existe. Ça fait plus de 15 ans, je crois, que je suis dans le SEO parce que j'ai commencé un petit peu avant l'expérience en e-commerce. Et j'ai vu l'algorithme de Google évoluer. Je sais que le SEO peut être fragile. Donc, j'essaye avec mes clients de construire des choses solides qui sont là pour durer. Parce qu'à un moment donné, le référencement d'un site, c'est aussi la vie d'une entreprise. Il faut essayer de trouver des choses qui sont durables parce qu'il y a déjà des accidents qui peuvent arriver. Vous allez voir, je vais vous montrer des exemples de sites qui se cassent la figure en SEO et on essaie de construire des choses qui tiennent la route sur le long terme. J'essaie aussi, parce que c'est un métier qui est compliqué, d'avoir une vision assez pédagogue.
Et mes équipes aussi, on essaie de bien expliquer aux clients bah, comment ça se passe, on prend le temps de dire les choses, de rentrer dans le détail, avec l'idée aussi que c'est plus intéressant pour nous de bosser avec des clients qu'on fait monter en compétences parce qu'on a des problématiques qui sont plus intéressantes à traiter quand le client maîtrise aussi le sujet. Et après, on est une agence très opérationnelle, c'est-à-dire que clairement, on n'est pas des consultants qui faisons des PowerPoint, qui vous disons quoi faire, on fait les choses, on met les mains dans le cambouis, on met les mains dans le code, on met les mains dans l'outil, et on est là pour que ça marche. Ça, c'était la partie un petit peu publicitaire, on va rentrer dans le vif du sujet, avec qu'est-ce que le référencement. Alors, on va commencer par une petite définition, je vous rappelle, que vous connaissez tous sans doute. Ce qu'on appelle le SEO, en fait, c'est en anglais, c'est Search Engine Optimization. Donc, en gros, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Concrètement, c'est un ensemble de techniques qui vont permettre de positionner un site web dans des moteurs de recherche afin de le rendre visible pour les internautes. Basiquement, c'est, bah, je cherche à cibler des mots-clés et à être visible sur les moteurs de recherche. En France, on appelle ça le référencement naturel. Bah, sachant que c'est pas vraiment du référencement et que c'est pas vraiment naturel. Il n'y a rien de naturel parce que c'est clairement pour moi, et je le dis souvent à mes clients, une manipulation de l'algorithme de Google pour augmenter le trafic de son site. Voilà. Google à la base est un moteur de recherche, il indexe tout un tas de sites. Vous allez vous positionner sur un certain nombre de mots-clés en fonction d'un algorithme qu'il a défini. Et le but du jeu pour nous, les référenceurs, donc les SEO, c'est de comprendre cet algorithme, de le décortiquer et d'essayer de le manipuler. Donc, on est clairement en conflit d'intérêts avec l'entreprise Google qui ne veut pas qu'on fasse ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. C'est qu'à partir du moment où vous faites du SEO, dans 95% des cas, bah, vous allez être rapidement en interaction avec les consignes de Google qui va vous dire de ne pas faire de référencement parce que votre référencement devrait être naturel. En fait, il n'est pas du tout. Vous avez intérêt à faire des choses qui vont vous mettre, enfin, vous placer devant vos concurrents. Est-ce que c'est clair pour vous cette définition? Alors, pourquoi on parle principalement de Google? Parce qu'effectivement, quand on regarde la définition du SEO, on dit que c'est pour les moteurs de recherche en général, et c'est vrai qu'il n'y a pas Google, il y a aussi Bing, Yahoo, Ecosia, Quant. Mais en France, Google, c'est 80, plus de 90% des parts de marché. Et c'est une entreprise qui est gigantesque. Il faut bien comprendre que Google est là pour longtemps, et que même s'il y a des moteurs de recherche concurrents, aujourd'hui, l'écosystème n'est pas prêt de changer. Notamment parce que Google, au fil du temps, Google existe à peu près depuis les années 2000, Google a construit des barrières à l'entrée pour rendre le secteur de la recherche de plus en plus complexe. Rien que déjà, les chiffres financiers sont impressionnants. Aujourd'hui, Google, c'est plus de 162 milliards, en 2019, pardon, 162 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les bénéfices, c'est 34 milliards de dollars en 2019. Ils ont 117 milliards de trésorerie. Donc vous voyez, si vous voulez vous lancer aujourd'hui dans la recherche, vous faites face à un mastodonte comme ça. Sur la partie technique, ils vont crawler, c'est-à-dire qu'ils vont parcourir avec des robots près de 20 milliards de pages par jour. Donc vous voyez, il vous faut une infrastructure technique qui est gigantesque pour pouvoir avoir le niveau de qualité des réponses et la connaissance du web qu'a Google. Aujourd'hui, Google, de par sa position dominante, il répond à plus de 2 000 milliards, environ 2 000 milliards de requêtes par an. Et ce n'est pas seulement le search, c'est l'ensemble du code de Google. Il y a plus de 2 milliards de lignes qui sont modifiées par 25 000 ingénieurs. Google, il y a plus de gens qui travaillent chez Google, évidemment, parce qu'il y a d'autres secteurs que la partie recherche. Mais globalement, on a quand même 25 000 personnes qui ne font que ça. C'est-à-dire modifier le code des différents algos de Google. Et en termes de modification, on dit souvent Google change tous les jours. Donc, il faut voir que toutes les modifications ne sont pas stratégiques, mais ils ont évolué à un moment donné à 45 000 modifications par jour. Vous voyez, les chiffres sont gigantesques. En fait, on perd assez de pied. Et en termes de parc informatique,
Ce qu'on a estimé, c'est que Google aurait autour de 2 millions d'ordinateurs, ces chiffres datent un peu, qui sont répartis dans plusieurs data centers, donc une soixantaine de data centers partout dans le monde. Vous comprenez bien que si vous voulez lancer aujourd'hui un moteur de recherche qui soit en concurrence avec Google, il faut vous lever tôt et il faut investir un mal d'argent. Juste pour comprendre un peu, un data center, en gros, c'est un gros entrepôt dans lequel il y a beaucoup d'ordinateurs qui travaillent en réseau et qui vont permettre à Google d'indexer et de faire tourner son algorithme. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, les référenceurs, on va travailler de façon assez stratégique, principalement sur Google. Pourquoi? Parce qu'ils représentent aujourd'hui en France, mais c'est vrai dans le monde, à part la Russie, la Chine et quelques pays atypiques, ils représentent le gros départ de marché. Et en fait, on se rend compte que Google ayant le meilleur algo, des concurrents comme Bing, Yahoo ont souvent copié leur algo, ont basé leur algo sur des principes assez similaires. Ce qui marche pour Google, en général, marche pour les autres. Donc, quand vous avez un site qui est bien référencé sur Google, en général, il est aussi bien référencé sur Bing et sur Yahoo et sur les moteurs mineurs. Donc, par simplification, on va travailler principalement le référencement sur Google. Alors ça, je pense que c'est aussi clair pour tout le monde. Le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, dit référencement naturel, est différent du SEA, qui est Search Engine Advertising, donc en gros la publicité. Et vous voyez ici comment se découpe une page de résultats Google. Donc là, j'ai tapé la recette barbecue électrique. Et vous voyez qu'en haut, on a, y compris avec des images, des pubs. Donc ça, c'est des gens qui payent pour être ici, qui vont faire une campagne Google Ads. Et ici, on a les résultats dits naturels qui dépendent de l'algorithme de Google. Il faut bien avoir en tête quand on voit ce type de page qu'en fait, Google gagne sa vie avec ça. Donc, sa fonction de base, ce qui lui a permis d'être connu, c'est bien la recherche, mais ce qui le fait vivre, c'est bien la pub. Donc, sans pub, Google est mort. Et en même temps, eh ben, ce pourquoi les gens viennent, c'est pour principalement les résultats naturels. Il se trouve qu'au fil des ans, les pubs occupent de plus en plus de place. Au départ, il y avait que. Là, on a trois résultats, mais en général, on va voir jusqu'à quatre aujourd'hui. Au départ, il y avait que trois résultats ici. Et ils étaient beaucoup moins impressionnants. Vous voyez, maintenant, on commence à avoir des images, on commence à avoir des remontées d'informations. Et au fur et à mesure, le SEO va descendre dans la page. Sur certaines pages de résultats en mobile, on ne voit même pas le premier résultat naturel. Donc, de plus en plus, et c'est un problème à terme, Google devient une page de pub, un annuaire de sites payants. Évidemment, c'est pas la raison pour laquelle les gens viennent sur Google, ils veulent une recherche, entre guillemets, non influencée par la pub. Les points de différence entre le SIA et le SEO, ils sont assez simples. Vous voyez, c'est deux canaux d'acquisition qui sont différents mais qui sont complémentaires. Donc le SIA est payant, on paye au clic, chaque fois que vous cliquez, ça vous coûte entre 10 centimes et plusieurs euros. Ça nécessite donc un budget. C'est garanti dans la mesure où à partir du moment où vous payez, bah, vous êtes sûr d'être en première page. Et c'est un système d'enchères. En gros, de façon assez basique, le SIA, quand vous donnez vous créez votre campagne, en fait, vous définissez votre tarif auquel vous êtes prêt à payer. Un clic, et en fait, c'est le mieux disant qui va se positionner le mieux. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'effectivement, il y a la notion de qualité qui rentre en jeu, mais l'idée, c'est que plus vous payez, plus vous avez de chances d'être dans les premiers résultats. Et c'est un retour sur investissement qui est court terme, puisqu'en fait, bon, ben, en quelques jours, en moins d'une semaine, vous pouvez être visible, quand même si vous êtes rapide, en moins d'une heure, en fait. Vous pouvez être visible sur les résultats de recherche de Google et commencer à générer du trafic et donc du chiffre d'affaires. Donc le retour sur investissement peut être assez rapide. À l'inverse, le référencement dit naturel, le SEO, il est gratuit. Il nécessite du temps de travail. Il ne présente aucune garantie. Parce que même si vous travaillez bien et vous suivez toutes les indications de votre référenceur ou tout ce que vous pouvez trouver comme littérature sur le sujet sur Internet, vous n'êtes pas assuré de garder. Ça fonctionne sur un algorithme qui n'est pas connu et qui change régulièrement. Et c'est plutôt un ROI à moyen ou long terme. On verra après le délai qu'il faut aujourd'hui pour se positionner sur des requêtes plus ou moins concurrentielles en première page.
Les deux font partie d'une dimension qu'on appelle le search marketing, puisqu'en effet, ça permet de cibler des prospects, et ça c'est important, on verra plus tard, qui tapent des requêtes sur un moteur de recherche. Donc c'est des gens qui cherchent quelque chose. Et vous allez cibler parce qu'ils ont une envie, ils ont une question, et vous allez entrer en communication avec eux parce qu'ils ont déjà un besoin qui est identifié. Alors, pourquoi on va faire du SEO? La première raison, c'est parce que ben, le SEO, ça vous permet d'avoir plus de trafic. Et qui dit plus de trafic, dit plus de chiffre d'affaires. Le trafic organique, c'est une source de trafic qui est régulière. Parce qu'une fois que vous êtes à peu près bien positionné, en fait, vous allez avoir un trafic qui est relativement constant. Alors, certes, il y a des variations, mais vous pouvez être assuré d'avoir un trafic qui arrive régulièrement. Si vous faites une campagne de pub à la télé, à la radio, vous distribuez des flyers, en fait, votre trafic qui va arriver, enfin votre visibilité, elle va exister le temps que dure cette campagne. C'est pareil, si vous faites une campagne Google Ads, le jour où vous arrêtez, bah, votre trafic il tombe à zéro. L'avantage du SEO, c'est qu'une fois que vous êtes positionné, bah, sans plus rien faire, vous avez un trafic relativement constant qui arrive. Si vous avez bien fait votre travail aussi en référencement, notamment dans le choix des mots-clés, et vous cherchez des mots-clés qui correspondent bien aux intentions de recherche de vos cibles, en fait, vous avez en général un trafic qui convertit bien parce que vous vous positionnez sur ce que cherchent les gens. Et donc, en général, quand ils veulent je sais pas, acheter un téléphone mobile, ils vont taper téléphone portable plus marque, par exemple, dans Google. Et si vous vendez ça, bah, vous allez vous retrouver bien positionné. Et les personnes cherchant ce que vous proposez, bah, en fait, ça va convertir assez bien. Donc, c'est un trafic qui est qualifié. C'est relativement pas cher, puisque au final, vous pouvez vous en sortir par vous-même et le faire. C'est en général un canal d'acquisition qui est le plus rentable aujourd'hui. C'est durable. Qu'est-ce que je veux dire par durable? Alors, c'est pas forcément écologique, mais c'est durable dans le sens où, une fois que vous êtes positionné, vous allez rester en place pendant un certain temps. Et votre trafic qui arrive régulièrement, il va rester là. Donc même si vous ne faites plus rien en référencement, vous pouvez rester plusieurs mois, plusieurs années à toujours capter un trafic de façon naturelle qui revient régulièrement et qui reste. Notamment si c'est bien fait. Moi, j'ai plusieurs clients qui ont arrêté les prestations. En général, on accompagne des clients sur le long terme, mais j'ai des clients qui ont arrêté les prestations et je les vois, ils sont toujours relativement bien positionnés. Alors ça décline petit à petit au fur et à mesure des mois et des années. Mais globalement, il n'y a pas une chute nette. Et enfin, c'est un trafic qui est mesurable parce qu'en fait, bah, vous pouvez le mesurer via des outils comme Google Analytics. Et donc, vous pouvez commencer à faire des projections de chiffre d'affaires en vous disant, bah, voilà, je fais à peu près tant par mois, et il est presque prédictible. Et vous pouvez construire un plan marketing en vous disant, bah, voilà, à partir du moment où je suis positionné sur tel mot-clé, je fais à peu près tant de trafic, pardon, ça va me générer à peu près tant de chiffre d'affaires. Pour moi, c'est un levier qui est assez intéressant. Il y a d'autres avantages, c'est que ça vous permet aussi d'assurer une certaine image de marque, une certaine crédibilité. Si vous êtes bien positionné sur Google, en fait, vous construisez en partie votre marque. Vous faites partie des acteurs importants de votre univers, puisque les gens qui vont taper des mots-clés en rapport avec votre activité vont vous trouver. Donc, ils vont se dire que vous êtes quelqu'un de sérieux, puisque, entre guillemets, Google vous recommande. Et puis vous occupez aussi le terrain face à vos concurrents. Il y a quelques bonus aussi à faire du SEO, parce que effectivement, pour moi, le SEO et l'AdWords, donc le Google Ads, ne sont pas concurrents. Au contraire, ça peut être intéressant de faire travailler en synergie, puisque ce que vous allez apprendre comme information sur le Google Ads, notamment à travers les mots-clés qui convertissent le mieux, vous allez pouvoir les utiliser en SEO pour savoir là aussi où il y a des opportunités. Le fait de vous rendre visible en SEO, donc sur Google, va vous amener des opportunités. Par exemple, la presse peut vous contacter, ça peut vous permettre d'avoir des candidatures si vous êtes en recrutement. En fait, vous avez des effets de bord positifs parce que vous êtes visible sur Google. Et le SEO, si vous l'utilisez intelligemment et que vous traquez tout ça dans Google Analytics, va vous permettre d'avoir aussi de la donnée sur vos sites et de mieux comprendre vos publics. Il y a d'autres outils qui vous permettent de voir aussi les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Et ça, c'est intéressant parce que vous comprenez ce que vont taper les gens. Une bonne stratégie, par exemple, en SEO, bah, c'est de commencer à travailler, de positionner son site
et de se rendre compte qu'il y a certaines pages qui se positionnent sur des mots-clés auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Et donc, ça vous suivez le jour des outils et ça vous donne des nouvelles opportunités. Vous voyez, c'est un espèce de cercle vertueux que vous enclenchez au fur et à mesure, ce qui fait que vous connaissez de mieux en mieux votre cible, pardon, et vous pouvez améliorer au fil du temps votre site pour se positionner sur un nombre plus grand de mots-clés. Et après, je dirais, il y a une vraie bonne raison. Alors, ça, c'était évidemment des bonnes raisons, mais il y a une raison pour laquelle on ne pense pas souvent à faire du SEO. C'est qu'en fait, assez basiquement, il n'y a que 10 places sur Google. Et donc, si vous n'y êtes pas, bah, c'est vos concurrents qui y sont. La mauvaise nouvelle de ça, c'est que ça devient de plus en plus dur ou de plus en plus cher, selon si on voit ça comme de la difficulté technique ou d'un point de vue budgétaire. Et je vais prendre un exemple assez simple. J'ai regardé sur un outil qui permet de voir la rétrospective. Il y a une espèce de time machine, si vous voulez, du SEO. La rétrospective, en fait, d'un mot-clé donné sur une période assez longue. Donc, j'ai tapé Hôtel Tarbes et j'ai regardé quels étaient les sites qui étaient positionnés en première page en 2016 et la même requête en 2021. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'en 2016, on a quelque chose qui doit être l'office du tourisme. On a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Tarbes. On a l'hôtel Foch. On a l'hôtel de la Croix-Blanche. On a le Rex Hôtel. On a Raccord Hôtel, qui est une chaîne d'hôtels. On a Ibis. On a le Next Hôtel. On a l'hôtel Kennedy. Donc, sur une requête comme ça, on a globalement des hôtels ou des chaînes d'hôtels. Et 5 ans après, on a principalement des agrégateurs d'hôtels, des intermédiaires comme Booking, TripAdvisor, donc, je sais pas ce que c'est, Trivago, Kayak, qui est un moteur de recherche, et Logis Hotel, je pense qu'il y a une chaîne. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens qui ont plus de poids en référencement, plus d'argent, qui font des plus gros sites, ont rendu la requête plus difficile à atteindre pour des gens qui sont plus légitimes. Parce qu'évidemment, si je suis un hôtel à Tarbes, moi, je trouve ça plus logique d'être positionné sur une requête comme Hôtel Tarbes que d'un gros intermédiaire comme Booking, par exemple, qui lui va prendre des commissions sur les hôtels. Enfin, mais ces gens-là ont plus de moyens, donc ils ont une meilleure capacité à manipuler l'algorithme. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'en 2021, bah, des vrais hôtels, il n'y en a plus que 2 sur 10. Donc effectivement, il faut prendre des places maintenant, parce qu'elles deviennent de plus en plus chères. Et on a vu que le référencement étant relativement durable, bah, si vous continuez à travailler une fois que vous êtes positionné, bah, vous allez rester en place un certain nombre d'années et vous allez pouvoir capitaliser sur cette place acquise. Alors que si vous ne faites rien, bah, vous allez vous faire dépasser par des gens qui n'ont pas raté le train. Alors pourquoi on parle de la première page? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu la première page sinon rien. En gros, il y a moins de 1%, alors il y a en gros 75% des gens s'arrêtent à la première page, donc il y en a 25% qui vont voir la deuxième, mais sur la deuxième, très peu cliquent. Donc en général, on a moins de 1% des clics qui se font sur la page 2. Donc le gros du trafic que vous pouvez générer via du SEO se fait sur la première page, notamment sur les 3 premiers résultats. Alors suivant les études, ça varie, mais on dit que c'est entre 50 et 70% des clics se font sur les 3 premiers résultats. Ce chiffre-là est fortement influencé par la tête que va avoir la page de résultats. Est-ce qu'il y a des pubs? Est-ce qu'il y a des requêtes de type image, de type vidéo, de type Google Maps, etc. qui remontent? Ça va changer les pourcentages de CTR. Donc CTR, c'est taux de clic, click-through rate. Donc en gros, le taux de clic va changer suivant ce que présente la page de résultats. Mais à la masse, on est à peu près dans ces chiffres-là. Donc évidemment, il est primordial pour vous d'être positionné sur la première page et si possible le plus haut possible. En tout cas, dans les 3 premiers. Vous voyez que très rapidement, il y a un déclin très fort des taux de clic. Si vous êtes 8e, vous récupérez plus de 3% du potentiel des gens qui ont cherché le mot-clé sur lequel vous voulez être positionné. Du coup, on peut se demander combien de temps il faut pour être en page 1, parce qu'on a vu que le SEO prenait du temps. Et on va prendre un peu les choses à l'envers en se demandant, bah, les gens qui sont en page 1, depuis combien de temps ils existent. Et en fait, un outil d'analyse SEO qui s'appelle Ahrefs, qu'on utilise nous à l'agence,
En fait, a fait en 2017 une étude sur 2 millions de mots-clés qui ont été pris au hasard. Ils se sont rendus compte que, en gros, ben, la plupart des pages qui étaient positionnées dans le top 10 et existaient depuis un certain temps. Vous voyez, on a presque 60% qui ont plus de 3 ans, presque 20% qui ont plus de 2 ans, et celles qui ont plus, en gros, une année, elles sont que 20%. Donc, la majorité des pages a 2 ans et plus. Et celles qui ont moins d'un an, il y en a seulement 5,7%, donc un peu moins de 6%, qui se positionnent dans le top 10. Voilà, donc, on va le dire autrement, si vous voulez être dans la première page, en moins d'un an, ben, si vous arrivez, vous faites partie des 5-6% de très bons. Après, évidemment, ce type de performance va dépendre de la difficulté de la requête. Il y a des requêtes sur lesquelles c'est complètement infaisable d'être positionné en un an et d'autres sur lesquelles c'est plus facile. Plus votre requête est concurrentielle, bah plus vous allez y arriver vite. Pardon, plus votre requête est concurrentielle, moins vous allez y arriver vite, et plus votre requête est, moins votre requête est concurrentielle, plus vous avez de chances de performer assez rapidement. Quelques cas concrets. Donc, je voulais vous montrer des exemples aussi de sites pour voir l'impact du SEO sur le business d'une société. Je vais commencer par des exemples négatif avant de repartir sur des choses plus optimistes. Donc en 2020, il faut savoir qu'effectivement Google fait beaucoup de modifications de son algorithme. Tous les jours, on a vu plusieurs dizaines de milliers de modifications par jour. Mais il y a ce qu'on appelle des core updates, c'est-à-dire des grosses modifications où tout d'un coup, il change un gros bout d'algorithme tout d'un bloc. Et en mai 2020, c'est ce qu'on a eu. On a eu un core update qui était basé sur ce qu'on appelle l'EAT, donc expertise, autorité, confiance, fiabilité, et qui visait en gros à favoriser les sites de confiance par la qualité du contenu. Donc ils ont décidé de taper un peu sur tout un tas de sites qui donnaient un contenu de faible qualité, qui n'était pas assez pertinent, notamment dans des domaines importants comme la santé, comme les finances. Et en fait, il y a pas mal de sites à ce moment-là qui ont connu des baisses, pour certains et d'autres des hausses de trafic assez importantes. Vous voyez, e-Santé, qui est un site de santé assez connu, en fait, il faisait un trafic, si on regarde en 2019, il pouvait aller jusqu'à plus de 2 millions de visites par mois. Et vous voyez ici, en 2020, en avril, il était à plus de 1 million, un peu moins d'un million trois, après la courbe. Vous voyez, on arrive à une mise à jour d'algorithme et vous avez une chute qui est quasiment verticale et il passe à 200 000 visites par mois. Alors, 200 000 visites par mois, c'est impressionnant en termes de trafic, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est la chute. Son trafic en un mois est divisé par 50. Ça reste une estimation via un outil, on ne connaît pas les chiffres réels, mais on peut supposer que cette estimation est quand même assez juste parce que ces outils-là, c'est SEMrush, un outil d'analyse SEO, qui nous donne le trafic, sont basés sur la data qui regroupe des dizaines de milliers de mots-clés. Vous voyez, là, le site n'a pas pu faire grand-chose en fait. Hein. Autre exemple, donc on a Mr. Google, qui était un site relativement connu, qui faisait pareil 200 000 visites par mois. Je pense qu'ils ont été rachetés par leur team, en tout cas ils ont fusionné. Et quand vous arrivez aujourd'hui sur leur page d'accueil, vous avez une page qui vient retrouver Mister Google sur Darty.com. En gros, c'est Darty qui a intégré les produits, les offres de Mister Google. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait juste cette page et ils n'ont pas vraiment réfléchi à une stratégie SEO pour essayer de récupérer le trafic. Et notamment de faire de ce qu'on appelle des redirections 301, c'est-à-dire de prendre leurs URL et de les rediriger vers le site de Darty. Conclusion de tout ça, forte chute de SEO. Vous avez effectivement le trafic organique là qui passe de 200 000 à un peu moins de 30 000, enfin 20 000 même. Vous voyez, c'est pareil, c'est quasiment du jour au lendemain, au moment où ils font l'inclusion dans Darty, on a une chute, pareil, quasiment verticale. Et ce qui est intéressant, là, on voit le nombre de mots-clés différents sur lesquels ils sont positionnés. Donc, ils se positionnent sur des centaines de milliers de mots-clés différents. Et tout d'un coup, ils se positionnent sur rien du tout. Puisqu'effectivement, leur site aujourd'hui n'est plus qu'une page d'attente qui redirige même pas vraiment vers Darty, mais qui permet d'y aller en cliquant sur un bouton. Donc, Google, en fait, a réindexé le site, il voit qu'il n'y a plus qu'une page,
Et là où ils se positionnaient sur des centaines de mots-clés différents, des centaines de milliers de mots-clés différents, en fait, bah, ils se positionnent sur aucun mot-clé. À part, évidemment, le nom du site. Vous voyez, ça, c'était une erreur de SEO qui a causé une perte de trafic importante et que Darty n'a sans doute pas retrouvé puisqu'il n'y a pas de redirection. On va prendre un exemple positif, comme quoi, pour vous montrer qu'en un temps relativement court, donc à l'échelle du SEO, on peut quand même avoir de très belles réussites si on travaille bien son référencement. Je prends l'exemple de Mano Mano, que vous connaissez. Ce site, en fait, il a été fondé, je pense, en 2012. Ils ont vraiment commencé à travailler leur référencement autour de 2015, on le voit sur la courbe. Vous voyez, donc en gros, en 5-6 ans, un petit peu plus, ils sont vraiment réussi à monter à 1,2 milliard d'euros de volume d'affaires. Et 50 millions, ça c'est les chiffres qu'eux, ils déclarent de visites uniques par mois, 7 millions de clients. Et vous voyez, aujourd'hui, l'estimation, elle est de 12 millions. Comme quoi, il y a quand même une marge d'erreur assez forte entre l'estimation et les chiffres que déclare le site. Mais clairement, on a des chiffres qui sont assez impressionnants, et notamment parce qu'ils ont fait un travail de référencement qui, moi, j'estime excellent quand on regarde le site Mano Mano et qu'on le décortique, ils font tout bien. Voilà. Et vous voyez, ils arrivent à se positionner en 5 ans sur des requêtes extrêmement concurrentielles comme barbecue, comme meuble salle de bain, comme salon jardin, pergola, piscine, même salle de bain. Et vous voyez, ça, c'est les positions. Donc, ils sont dans le top 10 sur tous ces mots-clés-là. J'ai pris quelques exemples au hasard, mais c'est ça reflète en gros les positions sur lesquelles ils sont aujourd'hui. Et ici, vous avez les volumes de recherche. Donc, ça veut dire qu'il y a 74 000 personnes par mois qui tapent le mot barbecue, 110 000 qui tapent même salle de bain et 135 000 par mois pardon, qui tapent salon jardin. Donc, c'est des mots-clés qui sont extrêmement concurrentiels, sur lesquels la plupart des concurrents étaient déjà installés. Mais parce qu'ils ont fait un travail de référencement excellent sur la durée, ben ils ont réussi à venir les taquiner. Je continue. Ça, c'est un site qui est client de Valetudo depuis 2013, donc on accompagne sur le long terme. On est passé de quasiment zéro à aujourd'hui presque 600 à 700 000 visites organiques par mois. Donc vous voyez effectivement là pareil, on a un outil qui est de 400 000, le chiffre réel est autour de 600 000, parce que on a la source de mémoire d'Elliptic. Et vous voyez, ça c'est intéressant aussi, on se positionne sur un nombre croissant de mots-clés différents. Ça correspond à ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus vous connaissez votre cible, plus vous analysez votre SEO, plus vous pouvez dégager des opportunités, identifier des mots-clés que vous n'avez pas forcément identifié au début, qui vont vous permettre de cibler des nouvelles requêtes et donc de créer éventuellement des nouvelles pages ou d'améliorer vos pages pour pouvoir attaquer un spectre sémantique plus large. Autre exemple sur des volumes de trafic plus raisonnables, plus accessibles, donc ça aussi c'est un client à nous, donc il fait seulement 3 000 visites par mois, donc, vous voyez par rapport à une Pediac qui fait 600 000. On est sur un volume de trafic qui est beaucoup plus faible. Mais ceci dit, ce n'est pas forcément un gros trafic qui est intéressant parce que ce site-là va générer du chiffre d'affaires, notamment beaucoup avec le référencement. Donc, ils font aussi du référencement payant, ils ont plein d'autres actions. Et globalement, le trafic organique et le référencement leur apporte pas mal de visibilité. Vous voyez qu'il va se positionner. Alors, sur la requête, c'est un site qui fait du portage salarial. C'est une entreprise qui fait du portage salarial en franchise et ils ont des franchises dans pas mal de villes de France. Et vous voyez, on a défini une stratégie de page vue, c'est-à-dire qu'on a créé des pages spécifiques pour chaque ville, et donc pour Lyon, Montpellier, Annecy. Et en fait, ces pages nous permettent d'être positionnés sur des requêtes qui ont des volumes qui sont relativement faibles par rapport à ce qu'on a vu par exemple sur barbecue ou mode de salon de jardin, mais en fait, qui sont extrêmement qualifiés. Et quand vous êtes deuxième sur portage salarial Grenoble, vous avez un taux de conversion qui est assez fort. Et les gens qui sont intéressés par portage salarial et qui sont à Grenoble, en fait, ils vont cliquer sur vous et ils vont derrière faire l'action que vous voulez qu'ils fassent, donc s'inscrire à une réunion d'information ou prendre leur téléphone, remplir un formulaire. Et donc, ça va générer des contacts extrêmement qualifiés pour le site. Et l'idée principale qu'on avait déployée, c'était de faire des pages pour chacune des villes qui était pertinente et qui se positionnait très bien, comme vous pouvez le constater,
sur l'ensemble des requêtes spécifiques locales de la thématique. Alors, j'ai pas de client à table, donc j'ai essayé de prendre un exemple de requête que je trouvais intéressant, qui était Immobilier Tarbes, puisque Immobilier Tarbes, il y a à peu près 500 recherches par mois. Agence immobilière Tarbes, il y a 450 recherches. Et location appartement, on a 400 recherches par mois. Si vous vous positionnez sur ces mots-clés, ben vous allez drainer pareil un trafic qui est relativement qualifié et qui va vous permettre, si vous êtes une agence immobilière par exemple, de trouver des clients, soit des acheteurs, des vendeurs, des gens qui veulent louer leur bien. Et en fait, ben ça c'est la première page, c'était la date d'hier, la première page du résultat de Google. J'utilise ça à travers un outil qui me permet d'avoir des résultats lissés, parce qu'évidemment, je pense que vous le savez, Google présente des résultats qui sont différents suivant bah, l'IP, mon historique de navigation et plein d'autres facteurs. Donc, personne ne voit la même chose. Donc cet outil-là, qui s'appelle SEO Observer, permet d'avoir des résultats relativement lissés. Donc ça, c'est une moyenne en fait de ce qu'on voit. De ce que les gens, les différents gens voient sur leur enquête immobilier Tarbes. Et voilà, je me suis intéressé à l'immobilier tarbesra.fr, qui est une agence immobilière locale, qui est deuxième sur cette requête-là, sur l'agence immobilière Tarbes. Et en fait, ben, j'ai regardé leur position sur les différents mots-clés. Donc, agence immobilière avec un accent, sans accent, immobilier Tarbes, agence immobilière avec le pluriel. Chaque fois, les volumes de recherche sont différents et j'ai constaté qu'ils ont des globalement bons positionnements. Donc, pour moi, ça, c'est des gens qui ont travaillé leur SEO et qui arrivent à se positionner sur un ensemble de mots-clés pertinents et qui va leur amener un trafic qualifié. Donc, même à l'échelle locale, on réfléchit sans bien, je pense qu'en faisant des efforts structurés, on peut arriver à drainer une visibilité intéressante avec le SEO. Alors, on va attaquer les fondamentaux. Là, on a vu en gros l'intérêt de faire du référencement. Quelques exemples. Maintenant, comment on fait concrètement pour être bien positionné? Alors, on a coutume de dire qu'il y a trois piliers dans le référencement. Voilà, avec des poids différents. Donc, je suis pas forcément d'accord avec cette répartition-là, mais ça nous donne une idée globale. Donc, il y a la structure, c'est la partie technique. Comment mon site est organisé, comment il est codé. Il y a la partie contenu. Il y a ce qu'on appelle la popularité ou le netlinking ou les backlinks ou les liens externes. Et vous voyez, ça c'est contre-intuitif pour la plupart des gens en fait, même si ce n'est pas forcément 60%. Et ça, je suis d'accord avec ce parti pris-là. Aujourd'hui, la popularité, c'est un des gros facteurs. C'est sans doute le facteur le plus important de l'algorithme de Google. Je reviens là. Alors, pour évacuer rapidement la technique, parce que c'est pas forcément le plus marrant, en fait, l'idée, c'est que la technique, c'est un ensemble de points de contrôle qu'il faut aller vérifier pour mettre le site au carré. Je vous mets quelques exemples, mais c'est vraiment pas exhaustif. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder. C'est pour ça qu'on fait des audits. Donc, ça peut être, évidemment, la façon, le nom de domaine, les URL, le fichier robots.txt, le sitemap, les balises de la chaîne, le fil d'Ariane. Je vous passe tous les détails. Moi, je le présente souvent comme une copie de mathématiques. C'est-à-dire qu'en gros, d'un point de vue technique, vous voulez avoir 20 sur 20. Et c'est Google le prof. Et en fait, il va vous poser un ensemble de questions. Il va avoir un ensemble d'exercices. Et toutes les questions n'ont pas forcément le même barème. Il y a des questions qui ont plus de poids que d'autres. Des exercices qui ont plus de poids que d'autres. Et en fait, ce que vous voulez, c'est aller gratter le maximum de points. Et en fait, bah, des fois, vous n'allez pas forcément être bon sur la vitesse du site. Vous allez récupérer 15 points ou même 8 points sur 2, qui était la valeur de la question. Mais vous allez être meilleur sur le balisage de la chaîne. Et en fait, tout ça va faire une somme qui va vous donner, dans mon exemple, une note sur 20 et qui va vous permettre d'être bien positionné. Sachant que bah, ce n'est pas un examen, c'est un concours, hein, parce que suivant ce que font vos concurrents, vous allez plus ou moins bien positionné sur la partie technique. Donc, suivant la requête, si vos concurrents travaillent mal, même avec un 10 ou un 9 sur 20, vous allez pouvoir être en première position ou en première page. Inversement, là où tout le monde travaille bien, bah, il vous faudra peut-être un 18,5
sur la partie technique pour pouvoir être au carré pour Google. Donc clairement, l'idée de la technique, c'est d'avoir un site qui répond à l'ensemble des consignes et des prérequis de Google pour être bien, bien positionné. Enfin, sachant qu'en fait, vous pouvez aussi vous flinguer un site s'il y a certaines choses qui sont vraiment mal faites. Alors le contenu, là aussi, je vais essayer d'aller un peu plus loin que les basiques. Le contenu, c'est pas forcément caser des mots-clés dans son texte. Ça, c'est souvent quelque chose que certains clients ou prospects me disent. Ben, en gros, si j'ai bien compris, pour être optimisé, pour être bien visible sur Google, il faut que je mette le maximum de mots-clés et on en parle plus. En fait, c'est pas ça. Il y a plus de choses à regarder. Notamment, il y a la structure du site. Il y a ce qu'on va appeler les métadonnées. Il y a tout ce qu'on appelle l'optimisation sémantique et aussi le contenu dupliqué. Je vais rentrer dans le détail sur chacun de ces points-là. Alors la structure, ce qui fonctionne pour moi, c'est d'avoir une page et une seule par intention de recherche. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Bah, si par exemple je vends des barbecues, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, bah, je vais vendre des barbecues au gaz, par exemple, et des barbecues électriques. Et si je suis client, j'ai envie, quand je tape barbecue électrique, d'arriver sur une page qui présente uniquement des barbecues électriques. Et si je tape barbecue au gaz, j'ai envie d'arriver sur une page qui présente uniquement des barbecues au gaz. Et si je tape barbecue charbon de bois ou barbecue Weber, je veux avoir une page qui présente uniquement des barbecues Weber. L'avantage de ça, vous le comprenez assez aisément, c'est que ben, je vais taper quelque chose et en face de moi, sur les résultats de recherche et sur la page sur laquelle j'arrive, quelque chose qui est très pertinent. Donc, ça va être quelque chose qui convertit, qui vend bien. Donc, ça, c'est le premier avantage de ça. L'autre avantage aussi, c'est que c'est plus facile de se positionner parce que je vais pouvoir optimiser ma page de façon fine sur barbecue électrique. Là aussi, j'ai une page qui présente ben, plein de barbecues différentes, je vais pas pouvoir être fin dans mon optimisation des mots-clés. Et l'autre fait fondamental là-dessus, c'est que je veux pas qu'il y ait des pages qui sont en concurrence. Si j'ai plusieurs pages qui vont cibler la requête sur les barbecues électriques, en fait, elles vont se faire concurrence les unes les autres. Nous, on appelle ça la cannibalisation. C'est-à-dire qu'en fait, les pages, elles se mangent les unes les autres. Et du coup, il n'y en a aucune qui arrive à se positionner vraiment. Donc, quand vous avez identifié une recherche, enfin, une intention de recherche de vos internautes, là, vous devez construire une seule page qui correspond au mieux à cette intention de recherche. Parce que les pages qui vont aussi y répondre vont entrer en concurrence avec la page que vous avez déjà construite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, les métadonnées, en gros, c'est la balise title et la balise métadescription. Donc, la balise title, c'est ce qui apparaît ici en bleu dans les résultats de recherche. Et en fait, elle est codée quelque part dans votre site. Vous ne le voyez pas forcément dans la partie visible de votre site. En fait, elle est dans votre code. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup d'influence. La balise title, pour moi, elle a deux critères principaux pour être efficace. La première, c'est de comprendre le mot-clé, d'inclure le mot-clé. Donc, vous voyez, là, j'ai tapé barbecue, barbecue électrique. Donc, là, justement, bah, j'ai barbecue. Donc, j'ai le mot-clé qui est en début de balise. Donc ça, c'est efficace. Et deuxième critère, c'est qu'il faut qu'elle soit attirante. Et donc, que je commence à la marketer un peu. Parce que même si bah, je vais être positionné en première page, bah, je vais avoir plein de gens qui sont aussi en première page. Et donc, moi, ce qui m'intéresse en tant que référenceur, c'est d'avoir le meilleur taux de clic pour récupérer bah, un petit peu plus que ma cote-part. On l'a vu, suivant ma position sur la page, j'ai un taux de clic qui est différent. Mais je peux essayer d'aller gratter quelques clics supplémentaires parce que ma balise, elle est plus attractive que celle des concurrents. Et vous voyez ici, l'article fait plutôt bien le travail parce que bah, j'ai tapé barbecue électrique, il me dit, bah oui, tu vas avoir des barbecues, mais en plus, la livraison est gratuite, tu l'as en 1 heure dans ton magasin, et en plus, il met sa marque et l'article, c'est une marque de confiance. Donc là, j'ai quelque chose qui est assez incitatif. L'autre champ d'optimisation, c'est la métadescription. C'est ce qui apparaît ici dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est en général 2-3 lignes. Alors, les mots-clés qu'on met dedans n'ont pas d'influence sur le positionnement de la page. À l'inverse de la balise title,
Effectivement, là, le seul défaut de la balise de Darty, c'est qu'ils n'ont pas mis électrique sur une page qui présente des barbecues électriques et sur la requête que j'ai tapée, mais je pense que leur page est très bon partout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis que électrique. En tout cas, c'est leur page barbecue. Et ici, vous voyez, barbecue électrique, qui est le mot-clé que j'ai tapé, il apparaît en gras. Mais il n'influence pas la position de cette page sur le mot-clé barbecue. Et pareil, je veux que cette balise, elle soit assez visible et qu'elle soit aussi attractive. Vous voyez, Darty fait un effort particulier à soigner sa balise de la description parce que ils vont mettre aussi des arguments. Paiement en 4 fois, le service Darty, le SAV, 7 jours sur 7, 24-24, il y a la garantie, caisse en 1 heure, et livraison en 2 heures chrono possible. Vous voyez, au-delà même de décrire ce qu'on va trouver sur cette page, donc là on est bien sur une page de résultats de recherche, il me donne déjà des arguments qui vont m'inciter à aller voir sur le site. Donc en fait, il commence un travail de vente. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que non seulement il se positionne, mais en fait, il travaille en amont pour aller commercialement m'inciter déjà à aller sur le site et aller y acheter. Ensuite, on a ce qu'on appelle le champ sémantique. Donc, on disait tout à l'heure que pour bien se positionner, il ne s'agit pas seulement de mettre les mots-clés. Donc, je reprends l'exemple de barbecue électrique. Si je veux me positionner sur barbecue électrique, eh ben, évidemment, il faut que je mette ce mot-clé dans ma page, il faut que je le mette plusieurs fois. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, il y a tout un champ lexical qui est connu par Google qui va me permettre de comprendre que je suis pertinent sur cette requête. Si je prends barbecue électrique, évidemment, il faut que je parle de jardin, il faut que je parle de recettes, de viande, de l'été, de tout ce qui est l'univers de barbecue. Là, on a un autre exemple avec aménager un balcon, donc sur une requête de type informationnel. Et vous voyez, ça, c'est un outil qu'on utilise, qui s'appelle l'Urtext Guru. Cet outil vous donne un champ lexical qui déduit de ce qui se passe chez les concurrents. Et vous voyez que le mot-clé principal étant ménage des balcons, en fait, on se retrouve avec plein d'autres mots-clés qu'il faut avoir positionnés dans le contexte, comme déco, plantes, jardin, terrasse, idée, espace, table, intérieur, Pinterest, conseil, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et tous ces mots-clés-là vont participer au positionnement de votre page sur la requête aménager balcon. Donc, ce n'est pas uniquement en mettant plein de fois aménager bâton que vous allez y arriver, c'est justement en essayant de comprendre le champ lexical que connaît Google qu'il associe à une requête donnée. En fait, Google, il faut comprendre qu'il a une vue assez exhaustive de toutes les pages qui se positionnent sur un mot-clé donné, et en fait, il va raisonner par similarité. C'est-à-dire que si vous voulez vous positionner sur, je reprends l'exemple de barbecue électrique, sur barbecue électrique, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder toutes les pages qui sont déjà positionnées et qui parlent du sujet. Il va analyser leur champ lexical et il va voir les mots-clés et leurs pondérations qui sont en rapport avec la requête que vous avez tapée. Et donc, si vous employez le même champ lexical que les concurrents, vous avez une meilleure chance d'être positionné. Voilà. Et si vous n'employez pas le même champ lexical et vous parlez d'autres choses, tout en mettant barbecue électrique 150 fois dans votre page, en fait, au contraire, ça va vous desservir parce que vous n'êtes pas pertinent avec la thématique que vous voulez aborder. Cet outil, je vous le recommande, c'est vraiment un des meilleurs outils pour optimiser son contenu. C'est Urtext Guru, je vous donnerai éventuellement les références dans le chat à un moment donné pour ceux qui veulent. Laurent, juste, Ouais. tu peux redire le nom de l'outil, je vais le mettre dans Ouais, le chat. je vais le mettre dans la discussion. Non, pardon. Ou dis-moi le nom, je vais le Ouais, faire. donc c'est Your Text Guru. Your Text Guru. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ok. Dernier point sur le contenu, c'est le contenu dupliqué. Donc c'est l'idée qu'en fait Google, il n'a pas envie de voir plusieurs fois la même page. Pourquoi? Parce qu'il trouve ça. Alors la raison officielle, c'est qu'il trouve ça pas pertinent pour les internautes, dans la mesure où en fait, il dit qu'un internaute, s'il a déjà eu un contenu quelque part, il n'a pas envie de le revoir autre part, parce qu'il a trouvé la réponse à son information.
Une des raisons réelles, c'est parce que ça lui coûte de l'argent de stocker des pages et de faire remonter des pages qui sont identiques. Donc, en fait, vous ne voulez pas avoir des pages qui sont identiques sur le web. Et donc, votre site, il ne doit pas récupérer, il ne doit pas être dupliqué avec le site. Alors, c'est vrai, évidemment, à l'externe, si vous avez un concurrent qui a plagié vos contenus, eh ben, ce n'est pas une bonne idée pour vous, parce que ça vous dessert, et puis pour concurrent non plus. Si vous êtes un site e-commerce et vous commencez à copier les descriptions des produits de vos fournisseurs, parce que vous avez récupéré le catalogue fournisseur, et bien en fait, vous allez vous rendre compte que tous les gens qui vendent les mêmes produits font ça. Et donc, tout le monde va avoir des contenus dupliqués. Et ça va vous pénaliser. Mais c'est vrai aussi, en fait, en interne. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs pages qui ont le même contenu, en fait, ben, ces pages, elles vont se pénaliser entre elles. Les risques, c'est quoi? Les risques, c'est le fait que bah, Google déréférence vos pages et qu'au final, en ayant plusieurs pages qui ont le même contenu, il n'y en a aucune qui soit visible. Les causes, ça peut être des causes effectivement de type plagiat, c'est-à-dire que vous avez, ou copier-coller bête, hein, vous avez récupéré un texte d'un concurrent en pensant bien faire, vous avez récupéré un texte d'un fournisseur où votre concurrent fait ça, votre concurrent vous copie. Mais ça peut être aussi sur le duplicate interne, ça peut être la façon dont est structuré votre site qui fait qu'en fait votre site va créer des pages qui sont trop similaires et que Google va indexer. Ça, c'est le cas notamment, par exemple, en e-commerce, la navigation en facettes. Quand vous faites des tri par gamme de prix, en fait, souvent, ces pages catégories sont identiques entre elles. Voilà, si vous classer ça par d'autres critères. Par exemple, vous allez avoir des pages qui se ressemblent beaucoup et qui ont le même texte de description, et au final, vous allez vous retrouver avec des pages qui sont considérées comme dupliquées. Et ça va pénaliser votre référencement. Les solutions, il y en a deux principales. C'est ce qu'on appelle la balise canonical. Donc ça, c'est une balise spécifique qui permet à Google de comprendre en fait que vous savez que vous faites des contenus dupliqués, mais que vous lui dites, et donc vous dites, c'est cette page-là qu'il faut prendre en compte. Et vous avez aussi le no index, c'est l'idée que bah, toutes les pages qui sont dupliquées, vous mettez une balise no index dessus, et du coup, elles ne sont pas indexées par Google. Ensuite, on va arriver sur le dernier gros pilier du SEO, qui est le netlinking, et qui est souvent ignoré par une partie des gens. Parce qu'ils pensent qu'avec une bonne technique et un bon contenu, ils vont y arriver. Et ça, je préfère un peu casser l'idée reçue de suite. En fait, c'est très très rare de bien se positionner, notamment sur des requêtes concurrentielles, si vous n'avez pas de lien. J'ai plein d'exemples de gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas envie, ou qui ne font pas l'effort, ou qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent sur la partie netlinking. Qui font des sites très propres, qui ont des très bons contenus, qui ont des très bonnes techniques, mais qui ne se positionnent pas parce qu'ils ne font pas de lien, ils ne récupèrent pas de lien. Donc pour comprendre en fait ce que c'est que le netlinking, en fait il faut savoir déjà que c'est la base de l'algorithme de Google. En fait, Google arrive en l'an 2000 face à des concurrents en moteur de recherche qui sont bien positionnés et qui occupent le gros du marché, comme Lycos, Yahoo à l'époque, et d'autres gens comme ça, ou Alta Vista. Il y avait beaucoup plus de diversité dans les moteurs de recherche, et tous ces gens-là ont des résultats plus ou moins pertinents. Donc Google, en fait, il veut casser le marché, il veut dominer ce monde-là, et en fait, il dit, bah, je vais faire une rupture stratégique dans la façon dont la recherche est construite, et en fait, il décide de baser en grosse partie son algorithme sur les liens. Donc, en fait, sur les liens qui sont faits depuis d'autres sites vers votre site. Ils sortent ça du monde de la recherche. Quand vous êtes dans la recherche, en fait, vos publications sont pertinentes parce qu'elles sont citées. Si je veux reprendre dans notre exemple, en fait, c'est ce qu'on appelle la notion de vote. En fait, un lien, c'est considéré comme un vote. C'est-à-dire que si vous, comme une recommandation, en gros, si vous cherchez le meilleur restaurant de Tarbes, ben vous allez demander à vos amis, vous allez regarder dans des guides, vous allez demander autour de vous. Et en fait, tout ça, c'est des recommandations. Vous allez regarder les avis aussi. En fait, ces recommandations, c'est des votes. Et en fait, les liens,
qui sont faits depuis d'autres sites, vers votre site, c'est comme des recommandations. Et Google s'est dit, et ça a été la rupture, en fait, on va baser le gros de notre algo là-dessus, notamment à travers ce qu'on appelle l'algorithme des pages rank. Et ça a été la révolution, et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à avoir un algo qui était plus pertinent, et donc du coup avoir de meilleurs résultats de recherche. Et pourquoi Google s'est imposé principalement comme le leader de la recherche, des moteurs de recherche? Parce qu'en fait, leurs résultats étaient les plus pertinents. Et quand vous arriviez à cette époque-là sur un moteur de recherche et vous compariez les résultats, en fait, très vite, ils avaient des résultats qui étaient plus pertinents. Et donc, les gens ont délaissé les autres moteurs en profit de Google. Et c'est ce qui leur a permis d'émerger et de gagner la bataille des moteurs de recherche. Ce principe de netlinking, donc l'acquisition de popularité par des liens qui pointent vers votre site, en fait, c'est toujours aujourd'hui le nerf de la guerre. Et ce qui est ce qui vous permet d'émerger à long terme, notamment sur des requêtes concurrentielles. Donc, si vous n'avez pas de stratégie de netlinking, il est assez peu probable que vous y arrivez vraiment au-delà de choses qui sont vraiment qui sont faciles à avoir. Et clairement, sur des requêtes où il y a un peu de concurrence, en fait, les liens vont beaucoup jouer sur votre positionnement. C'est le nerf de la guerre aussi parce que nous, les référenceurs, on a très vite compris que c'était un des fondamentaux et que ça avait beaucoup de poids. Et du coup, on joue un peu au jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que nous, on fait ce qu'on appelle du rétro-engineering. On essaie de comprendre quelle typologie de lien et quel profil de lien il faut construire pour y arriver. Google a compris qu'on avait compris, donc il resserre la vis. Et chaque fois qu'il resserre la vis, on essaie de décortiquer la nouvelle façon dont fonctionne l'algorithme. Il resserre la vis à nouveau et on se retrouve dans un jeu permanent de compréhension de comment ça doit fonctionner aujourd'hui. Et notamment, en 2011, Google a serré la vis très fort parce qu'on faisait un petit peu n'importe quoi sur netlinking et il a commencé à mettre une grosse partie de son algo pour sonner un petit peu la fin de la récré, en fait. Et clairement, il a mis à jour il a fait une grosse mise à jour qui s'appelait Pingouin et qui a pénalisé un grand nombre de sites qui faisaient du netlinking de façon pas très propre. Ce qu'il faut savoir aussi sur le netlinking, c'est que tous les liens ne se valent pas. Il est plus intéressant d'avoir un lien qui est logique par rapport à votre site, donc qui est connecté à sa thématique. Qui est dans le même univers, d'avoir un lien qui est depuis un article qui parle d'un sujet qui est proche du vôtre, d'avoir un lien depuis un site qui lui-même récupère des liens, donc qui lui-même a une certaine puissance de SEO. Et en fait, il y a pas mal de critères qui font que un lien n'en vaut pas forcément un autre. Notamment, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des liens qui sont dits nofollow. C'est-à-dire qu'en fait, Google a mis dans son algorithme le fait que si vous voulez faire de la pub en faisant un lien vers quelqu'un, cette personne éventuellement sponsorisait votre lien, vous êtes censé mettre une balise qui s'appelle nofollow et qui fait que Google va ne pas considérer ce lien. Donc, il ne va pas transmettre de jus, pas transmettre de vote, si vous voulez, à ce lien. Donc, évidemment, si vous récupérez un lien nofollow, il ne sert quasiment à rien. Un truc important aussi, c'est les encres de lien. En fait, c'est le mot-clé que vous utilisez, qui est utilisé pour faire le lien, en fait, il a un poids très fort. Et notamment, c'était un des gros facteurs de l'algo pingouin, parce qu'on se rendait compte, nous, à l'époque, que si on utilisait des mots-clés hyper précis pour faire nos liens, c'était beaucoup plus efficace que d'utiliser des mots-clés comme cliquer ici ou aller voir ceci. Donc, je reprends l'exemple du barbecue électrique. Si j'ai un article qui parle de barbecue électrique et qui fait un lien vers mon site, dans cet article, il va y avoir le mot barbecue électrique. J'ai intérêt à faire un lien avec le mot barbecue électrique, parce que c'est une encre qui est optimisée, vers ma page qui parle de barbecue électrique. Et en fait, il se trouve que ça marchait très bien avant, mais aujourd'hui, si j'en fais trop, en fait, ça marche jusqu'à un certain moment, et après, ça devient contre-productif, et mon site se fait pénaliser. Et du coup, là où je devais monter, en fait, je descends en vitesse grande. Donc, effectivement, le netlinking, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va vous permettre de vous positionner correctement sur des requêtes concurrentielles, mais c'est aussi dangereux, car si vous avez un profil de lien qui est considéré comme suroptimisé, en fait, ça va vous faire descendre votre site
Donc ça va faire qu'il ne décolle jamais parce que Google va le pénaliser. Et donc, il faut avoir conscience qu'il y a une sorte de ligne rouge à ne pas franchir et qu'un profil de lien, ça doit se réfléchir notamment sur la durée. Comment on fait concrètement un profil de lien qui tient la route? Alors déjà, il faut des liens vers la page d'accueil et des liens vers les pages profondes. En fait, ce qui va faire monter ma page, si je suis un site e-commerce, par exemple, qui vend du mobilier de jardin, et je reprends toujours ce même exemple, hein, pour que ça soit clair pour vous, et que je veux faire monter ma page barbecue électrique, ben, je veux des liens qui pointent vers cette page spécifiquement, avec des encres qui parlent de barbecue, depuis des sites qui parlent de barbecue, qui parlent du plaisir de profiter de l'été, par exemple, pour quelque chose qui est très long. Mais en fait, ça, c'est un profil qui n'est pas naturel. En fait, un site, naturellement, il a une grosse partie des liens qui pointent vers sa page d'accueil. Donc, si je fais que des liens vers la page d'accueil, en général, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de faire des liens vers des pages profondes. Mais si je fais que des liens vers les pages profondes, j'ai un profil qui n'est pas naturel et qui, du coup, éveille la suspicion de Google. Donc, j'ai intérêt à faire des liens vers ma page d'accueil pour un petit peu lisser mon profil. De la même façon, si je fais que des liens avec des encres optimisées, ben, ce n'est pas naturel. Donc, je vais varier la nature de mes encres. Et je vais faire des encres optimisées, type barbecue électrique, des encres semi-optimisées, du type par exemple le meilleur barbecue électrique pas cher, des encres neutres, du type cliquez ici, et des encres de branding, c'est-à-dire qui correspondent à ma marque. Et en fait, en variant les encres, en fait, je dilue mon risque et je permets quand même à ma page de monter. Alors, ça monte moins vite que si je faisais que des encres optimisées, mais c'est beaucoup moins dangereux et donc je vais pouvoir tenir sur la durée. En parlant de durée, il est important aussi de comprendre qu'un profil de lien, ça se construit sur le long terme. Vous ne voulez pas, si vous voulez sortir votre site, avoir 200 liens le premier mois qui pointent vers votre landing page, en fait, votre page où vous allez essayer de récupérer du trafic. C'est un signal qui n'est pas du tout logique pour Google et qui va vous attirer ces foules. Donc, vous voulez avoir une acquisition qui est progressive, mais qui est aussi régulière. Parce que de façon assez logique, vous ne voulez pas avoir exactement, par exemple, 5 liens ou 10 liens tous les mois. Ce n'est pas naturel. Et ce qui est important aussi, c'est que vous avez besoin d'avoir un lien dans un contexte sémantique. Si vous êtes vendeur, donc je reprends l'exemple de barbecue, vendeur de barbecue, bah, c'est logique d'avoir des liens depuis des blogs qui parlent, par exemple, d'aménager son jardin ou de profiter de l'été. Ou depuis des blogs de recettes de cuisine qui font des recettes sans barbecue, ou même des blogs depuis le boucher du coin, c'est moins logique d'avoir des liens depuis votre ami qui est coiffeur, ou depuis le site d'un hôtel, ou depuis un site immobilier, ou depuis un site de finance, ou depuis un site de voiture. Donc en fait, le contexte thématique doit être aussi pertinent par rapport à votre site. Et en fait, il vous faut aussi depuis votre site des liens sortants, parce qu'avoir un site qui n'a que des liens entrants, c'est assez peu naturel. Donc de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des liens qui sortent. Alors, il ne faut pas trop en mettre, parce que sinon, vous diluez le jus, vous allez récupérer des liens qui rentrent, mais il vous en faut aussi, parce que sinon, ce n'est pas forcément naturel. Donc ça, c'est en gros les gros critères pour avoir un profil de lien qui va tenir sur la durée. Je me permets, Laurent, je fais un petit point là sur le temps afin que tu adaptes ta présentation. Donc là, ça fait à peu près une heure que tu parles. Okay. Super, super intéressant. Et juste te le dis, on a deux personnes pour le petit audit à la fin, okay. deux acteurs du tourisme ici. Donc okay. Voilà, je te le dis juste pour que tu adaptes. En gros, là, on a fait le gros. Hein, il va me rester une petite quinzaine de minutes, je pense, pour la fin. Super. À la douche. Là, on a attaqué, on avait vu quelques exemples, on a attaqué en gros les principaux critères qui fait que ça fonctionne. Donc, on a vu la technique, le contenu, le thinking. De toute façon, ça, c'est quelque chose que j'ai survolé. Évidemment, c'est beaucoup plus de choses et beaucoup plus de détails à connaître pour vraiment faire monter votre site sur Google. Ça vous donne un aperçu des grandes lignes stratégiques à avoir en tête, donc la partie technique, contenu, etc. On va maintenant un peu rentrer dans la partie vraiment business en dur, c'est-à-dire quel raisonnement d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de responsable marketing, par exemple, vous devez avoir pour placer le SEO
comme un vrai canal d'acquisition, de développement de CA pour votre société. Alors, pour moi, la première question à se poser, et vous voyez, elle n'est pas neutre, c'est est-ce que mon business est soluble dans le SEO? Clairement, le SEO, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas forcément rentable pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, déjà, il faut se poser la question de est-ce que mes mots-clés, est-ce que mon activité correspond à des mots-clés que tapent réellement mes sites? Donc là, j'ai pris deux exemples assez contre-intuitifs. Donc, par exemple, si je suis coach sportif à Tarbes, en fait, le mot-clé principal, ça va être coach sportif à Tarbes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a à peu près 30 requêtes par mois, c'est-à-dire qu'il y a 30 personnes par mois seulement qui vont taper ce mot-clé. Donc, est-ce que c'est intéressant pour moi d'être en première page là-dessus, sachant que même si je suis premier, je vais capter 15-20% en gros de ces gens-là. Donc, je vais avoir, en gros, on est entre 3 et 4 visites par mois sur ce mot-clé. Alors, est-ce que ça suffit pour faire décoller mon activité? Est-ce que c'est vraiment, alors je dis pas que ça sert à rien dans ce cas de figure-là, mais on peut se dire que ça sera sans doute pas suffisant. Et qu'il y aura d'autres leviers qui sont peut-être plus intéressants que le SEO. Inversement, bah, si je prends une, si je vends, par exemple, du matériel agricole d'occasion dans toute la France, donc là, j'ai pas géolocalisé ma requête, bah, j'ai 7000 personnes par mois qui tapent ce mot-clé-là. Et plein d'autres mots-clés, qui sont des variations de celui-là. Donc là, j'ai un trafic qui peut être potentiellement assez important. Vous voyez, entre certains mots-clés, il y a vraiment des grosses différences. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier les mots-clés que j'estime être les plus pertinents par rapport à ce que peuvent taper mes cibles et me demander si j'ai vraiment du potentiel. Est-ce que ça vaut le coup de passer du temps, de mettre de l'argent, et d'aller décortiquer mon SEO et de mettre de l'énergie? Vous avez vu, ça met du temps à faire monter un site et de passer... des fois, c'est plus d'un an, on l'a vu sur des requêtes concurrentielles, de passer plus d'un an de travail pour au final récupérer 3-4 visites par mois. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers qui sont beaucoup plus efficaces? Donc, encore une fois, le SEO, sa pertinence, elle est valable si vous avez un volume de recherche qui est conséquent et vous pouvez identifier qu'il y a des gens qui tapent vraiment ça. Une autre façon de confirmer ça et d'éviter de tomber dans ce biais. Qui pour moi, qui est de dire que le référencement, ça serait la solution, le référencement naturel, ça serait la solution avec tous mes problèmes, c'est d'aller regarder le trafic des concurrents. Bah là, j'ai pris, j'espère que pas de coach sportif dans l'assistance, mais j'ai pris l'exemple d'un coach sportif à Tarbes que j'ai trouvé, donc un site qui était bien positionné, et j'ai regardé un outil qui analyse le trafic, et en gros, bon, bah voilà, c'est une estimation, il fait sans doute beaucoup plus de visites que ça. Mais en gros, bah, il fait trois, d'après ce outil, il fait 3 visites par mois. Donc, est-ce qu'avec 3 visiteurs par mois, même si c'est une estimation, même il fait 10 fois plus, mais pour 30 visites par mois, est-ce qu'avec 30 visites par mois, j'ai assez de clients pour faire tourner mon activité uniquement avec le référencement naturel? Et de l'autre côté, j'ai pris un site, donc certes national, mais qui vendait du matériel agricole d'occasion. Et là, en fait, bah, il fait 1 400 000 visites. Estimé, donc là aussi c'est sans doute bien en dessous de la réalité, par mois, sur bah, évidemment des mots-clés comme matériel agricole d'occasion, mais sur plein d'autres mots-clés comme tracteur, les marques de tracteurs, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme matériel agricole. Et en fait, il va y avoir un champ lexical énorme, il se positionne, vous voyez, sur plus de 80 000 mots-clés différents. Voilà. Donc la question de base, c'est est-ce que mon business est solide dans le SEO, est-ce que j'ai vraiment un potentiel? Si ce n'est pas évident pour vous, il faut peut-être se dire qu'il faut mieux pas y aller, il faut mieux pas faire de référencement, parce que la prise de risque, elle est sur 1 an, en fait. Donc vous allez avoir les résultats dans 1 an, et pendant 1 an, vous testez un canal, vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne. Enfin, donc ça, normalement, si vous travaillez avec un référenceur, vous cherchez à travailler avec un référenceur, il doit vous décortiquer ce truc-là, il doit vous dire de façon honnête, est-ce que il y a du potentiel pour vous. Alors des fois, on ne sait pas, des fois, on est dans des zones grises, mais en général, on voit en fait le potentiel. Avec des outils comme ça, on peut se dire, non, nativement, c'est intéressant d'aller faire du SEO ou vraiment y aller pas. Donc, on peut estimer ce potentiel-là. L'autre travail que je dois faire avant de me lancer dans le référencement, et pour voir si c'est intéressant pour moi, c'est d'essayer d'estimer mon référencement actuel.
J'ai pas mal de prospects qui me contactent et qui me disent je suis bien référencé, je suis mal référencé. Alors pour moi, ça ne veut rien dire en fait. Bien référencé, mal référencé, il faut donner des chiffres. Parce que, en fait, bien référencé, mal référencé, c'est subjectif. Alors, si vous êtes premier sur un mot-clé que vous trouvez important parce que ça correspond à votre activité, ben, je suis content pour vous. Mais ce n'est pas forcément ça qui vous a amené vraiment du trafic. Parce que déjà, est-ce que c'est le bon mot-clé? Est-ce que ce mot-clé fait vraiment du volume de recherche? Est-ce qu'il y a vraiment du potentiel? Est-ce qu'il convertit? Et donc, il faut se poser des questions chiffrées et mettre de la data en face, notamment à travers quel trafic organique vous faites, en nombre de sessions, en nombre de visiteurs. Vous êtes positionné sur quel mot-clé, combien chaque mot-clé fait de volume, combien il vous rapporte potentiellement de trafic, est-ce que ce mot-clé convertit, convertit pas, combien tout ce référencement naturel vous génère de ventes, est-ce que vous mesurez dans des outils comme Analytics, par exemple, le nombre de ventes que vous faites tous les mois uniquement grâce au canal du SEO, si ce n'est pas des ventes parce que vous ne vendez pas en ligne mais vous générez des prospects, bah, combien de leads ça vous fait par mois, est-ce que vous avez traqué vos formulaires de contact, par exemple. Et en gros, il faut que vous sachiez dire, avant de commencer une mission de SEO, quel est le CA qui est généré par le référencement. Parce que si vous n'avez pas une idée de l'existant, ben vous n'avez pas forcément une idée du potentiel. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que c'est intéressant pour moi de faire du référencement. Une fois que vous avez ça, ben vous pouvez vous poser la question de est-ce qu'il faut investir? Clairement, pour moi, la question, c'est pas de se demander combien ça coûte, mais combien ça peut rapporter. Alors évidemment, combien ça coûte, c'est important, mais il faut estimer le potentiel pour voir s'il peut y avoir du retour sur investissement. Donc, combien le SEO, on l'a vu tout à l'heure, me rapporte actuellement? Combien je peux estimer qu'il rapporte à mes concurrents? Vous avez vu, on a des outils qui permettent d'analyser le trafic. Donc, je suis capable de me faire une règle de trois, suivant mon secteur, en me disant, bah voilà, mon concurrent, il fait à peu près tel trafic, j'estime qu'il fait à peu près tel taux de conversion, donc qui génère à peu près tant de ventes en ligne, s'il vend en ligne par exemple, à partir d'un panier moyen que je connais parce que je suis dans le même secteur que lui. Si ce n'est pas des ventes en ligne, eh ben, il génère des prospects. Donc combien un prospect en général on convertit dans le secteur, parce qu'évidemment sur un secteur c'est différent, et combien un client me rapporte d'argent, soit one shot, soit tous les mois, selon s'il vend la prestation. Unitaire, sinon la prestation récurrente. Une autre façon de mesurer l'intérêt est de comparer à d'autres budgets en communication, notamment qu'est-ce que je dépense en Google Ads, qu'est-ce que je dépense en Facebook Ads, qu'est-ce que je dépense en communication en général, qu'est-ce que je fais des flyers, est-ce que je fais de la communication dans la presse locale, est-ce que je me suis inscrit sur les pages jaunes, combien ça me coûte tout ça et combien ça me rapporte. En fait, chaque canal d'acquisition, je dois être à peu près capable de savoir combien il me coûte, parce que j'ai un budget marketing attribué sur un canal, mais je dois aussi être capable de savoir combien il me rapporte. Et par rapport à ça, ben, je dois être capable de pouvoir me dire combien le SEO peut me rapporter et de le comparer aux autres canaux pour vérifier que c'est un canal qui est rentable. Parce que si à côté, ben, je suis un restaurant, par exemple, qui a une zone de chalandise assez limitée, et ben le référencement n'est pas forcément intéressant pour moi. Ben, parce que déjà, je vais être en concurrence avec tous les city guides qui référencent tous les restaurants dans la ville. Donc, je vais avoir du mal à me positionner. Donc, ça va me coûter très cher de faire du SEO. Et à l'inverse, peut-être une campagne de flyers dans les rues adjacentes à mon restaurant va être beaucoup plus rentable. Il faut aussi se poser la question du potentiel de trafic. Donc, quel trafic je fais aujourd'hui, mais quel potentiel de trafic je peux faire en fonction de mes positionnements actuels sur mes mots-clés et des volumes de recherche. Donc, ça, c'est pareil, on peut l'estimer aussi en analysant les mots-clés sur lesquels vous pourriez légitimement vous positionner. Je dois me poser aussi des questions sur combien me coûte un client aujourd'hui, combien me coûte un prospect, combien me coûte un lead. Et combien je suis prêt à le payer? Ben, évidemment, en fonction de combien il me rapporte. Et je dois me poser aussi une question de combien ça me coûte de ne pas investir. Notamment parce que si je n'investis pas en SEO, quelle que soit la raison pour laquelle je décide de ne pas le faire, et que mes concurrents le font et que ça reste intéressant, à quel moment, en fait, mes concurrents vont capter l'essentiel du marché et je vais me retrouver dans une position où j'ai plus les moyens d'investir parce que le ticket à l'entrée, il a monté fortement. Vous l'avez vu,
Je vous l'ai montré sur l'exemple de l'hôtel Tarbes. Effectivement, c'est de plus en plus difficile, donc ça coûte de plus en plus cher. Donc, il est intéressant de prendre les positions maintenant. Et si je n'investis pas, mes concurrents qui investissent vont prendre le gros départ de marché. Je vois arriver ça chez certains prospects. J'ai un exemple d'un client que j'ai signé récemment. Et en fait, bah lui, c'est le leader du marché dans son domaine au niveau européen. Donc, il est vraiment premier de loin. Alors, il est dans une niche de marché, hein, mais globalement, il est vraiment premier de loin en termes de chiffre d'affaires. Par contre, en SEO, il n'est pas visible. Il y a des gens qui sont venus se positionner avec des faibles moyens parce qu'ils ont commencé tôt sur un secteur qui est relativement encore peu concurrentiel et qui occupe le gros du marché sur Google. Et lui, il est quasiment invisible. Et en fait, aujourd'hui, bah, il sait que son travail, c'est d'investir beaucoup. Et il va investir beaucoup plus que l'on investit parce qu'il arrive plus tard, en fait. Donc, il va mettre plus d'argent sur la table parce qu'il ne s'y est pas pris à temps. Donc, le coût du non-investissement en termes de time to market, il est beaucoup plus fort parce qu'il a pris du temps à se mettre au SEO. Je vous donne un exemple très basique pour avoir le. C'est vraiment des chiffres à la louche. Hein, faut pas partir là-dessus comme base, mais juste pour comprendre le raisonnement. En fait, il faut essayer de faire ce type de calcul pour vous dire est-ce que le SEO peut être intéressant pour moi. Quel budget je peux éventuellement mettre, quel retour sur investissement ça peut m'apporter. Donc, je prends l'exemple d'un site qui fait 1000 visites par mois. Il va convertir 2% de ses visiteurs en prospects, donc il va avoir 20 leads par mois. Sur ces 20 leads, il a un taux de transfo, donc c'est des gens qui vont contacter par téléphone parce qu'il a mis son numéro de téléphone sur son site ou puisqu'il a un formulaire de contact, qu'il a un mail de contact. Donc, sur ces 20 leads, il va en transformer un quart en client, donc il va générer 5 clients par mois. Un client va lui rapporter 2000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en gros, il fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois. S'il double son trafic avec le SEO. Alors, doubler son trafic, ça paraît joli comme ça. C'est des choses qui sont parfois très faciles dans certains secteurs et qui sont très difficiles dans d'autres. Ça dépend de l'état de la situation de départ aussi. Mais je prends un exemple où ça nous est déjà arrivé de faire des multiples, hein, sur le trafic de certains clients. Donc, c'est loin d'être infaisable aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on peut faire juste 20%, 30% de trafic. Mais admettons que ce client-là, il arrive à doubler son trafic. Donc, il fait 2000 visites par mois. Il garde le même taux de conversion. En général, ça baisse un petit peu parce que plus on a de visites, plus le taux de conversion il baisse parce que forcément, on a un trafic qui est un peu plus large, mais qui est moins qualifié. Mais dans cet exemple, on va garder le même taux de conversion. Donc, il génère deux fois plus de leads, c'est logique. Donc, il a deux fois plus de clients parce qu'il va garder le même taux de transformation. On va dire que c'est toujours lui qui fait la partie commerciale. Et un client, il lui rapporte toujours la même chose en moyenne, puisqu'il lui génère 2 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, en fait, il a augmenté son chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois. Donc là, on est dans un exemple où le SEO s'avère assez rentable. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin dans le raisonnement parce que combien en fait, là on parle de chiffre d'affaires uniquement, combien valent ces 10 000 euros de plus par mois pour lui? Parce que 10 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément de la marge. Ça dépend de son activité, de son business model. Il y a des activités sur lesquelles on a 90% de marge, donc ça peut être très intéressant. Mais mettons que lui, soit un revendeur de quelque chose et qu'il fasse que 20 ou 30% de marge, du coup, c'est vachement moins intéressant. De la même façon, si aujourd'hui il arrivait à gérer son activité tout seul, et à faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires et à gérer ce flux de clients dans ses process internes tout seul, très bien. Et s'il arrive à faire ce double de chiffre d'affaires toujours tout seul, c'est intéressant, mais s'il doit embaucher quelqu'un, est-ce que c'est toujours rentable pour lui aussi? Voilà. Donc, c'est ce type de raisonnement qu'il faut avoir. Mais en tout cas, là, vous avez les bases pour vous dire, voilà, j'ai tant de visites, ça génère tant de prospects. Alors après, j'ai parti d'un exemple où générer des clients qui s'y met commercialement, mais on peut faire la même chose avec la vente directe, vous faites du commerce. Est-ce que ce chiffre d'affaires supplémentaire que je peux estimer, sachant que ça reste une projection, est intéressant pour moi? Est-ce que c'est rentable? Et derrière, est-ce que ça vaut le coup que j'y mette dans le budget? Quel budget il faut mettre? En fait, je vais plutôt vous donner des indications de combien coûte le référencement aujourd'hui. Donc, la journée d'un consultant SEO, c'est entre 300 et 1500 euros au jour. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus chers, on va dire des rockstars du secteur, mais en gros, la moyenne, c'est ça. Pour moi, 300, en dessous de 300 euros au jour sur quelqu'un qui est freelance ou une agence,
En fait, je me méfierais parce que soit c'est quelqu'un qui débute, dans ce cas-là, vous avez des risques, soit bah, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément honnête, qui vous vend une prestation qui est low cost, mais parce qu'il ne va pas faire grand-chose. Donc, je suis assez méfiant de tout ce qui va arriver en dessous de 300, 400 euros genre. Après, le pouvoir de la chance est de tomber sur quelqu'un qui démarre et qui est bon et qui est vraiment pas cher. Mais en général, voilà, il faut plutôt être précautionneux sur des budgets qui seraient trop faibles à la journée. Une mission SEO régulière, c'est rarement en dessous d'un jour par mois, parce qu'au moins un jour, bah, vous avez vu qu'il y a rien de travail, on ne va pas faire grand-chose. Donc en général, on commence à nous, par exemple, on commence à un jour par mois, en tout, on ne fait rien. Et il faut prévoir de 6 mois à un an minimum avant de commencer à avoir des résultats. Vous voyez, il y a un certain budget à consacrer avant de pouvoir espérer avoir des retours sur investissement. Un audit SEO, les prix sont très variables. Ça va de 500 euros si vraiment vous tenez sur le freelance qui démarre, que vous avez un petit site, il n'y a pas de gros problème sur votre site, et qui fait juste un check-up. Et certains sites, ça peut coûter plus de 10 000 euros. Parce que vous avez un site qui a des milliers de pages, vous avez peut-être un catalogue de produits si vous faites du e-commerce qui a des centaines de milliers de produits, vous avez beaucoup de liens à analyser, vous avez beaucoup de concurrents à analyser, donc là, ça peut passer beaucoup de jours à faire ce travail. Et NetLinking, aujourd'hui, NetLinking, il faut considérer que c'est un budget. Aujourd'hui, un lien, il va vous coûter entre 10 euros. Là, je prends un exemple extrême, mais on peut acheter des liens sur La Dépêche, sur Capital, sur des magazines en ligne. Tout le monde aujourd'hui vend des liens, même si Google vous dit de ne pas le faire, mais en fait, c'est un des meilleurs leviers pour avoir des liens relativement vite et efficaces et puissants. Il y a des gens qui vendent 3 000 euros le lien. Voilà. Donc évidemment, il y a un juste milieu. Aujourd'hui, on va être entre 100 et 200 euros. Pour un lien relativement qualitatif. Donc ça, c'est pareil, ça doit être inclus dans votre budget à un moment donné. Si vous pensez faire du SEO, il faut considérer qu'il y a des temps de travail, que vous passez en interne, vous sous-traitiez, il y a des temps de travail, mais il y a aussi un budget pour pouvoir aller acheter ou négocier des liens avec des partenaires qui vont faire des liens vers votre site et qui vont vous aider à faire monter. Quel retour sur investissement? Ça, c'est la formule du ROI. Et je vous conseille, une fois que vous avez démarré votre référencement, de très vite commencer à mettre en place un tableau de bord pour mesurer le retour sur investissement et vérifier sur la durée que les actions que vous entreprenez elles sont réellement rentables. Donc là, c'est un exemple de tableau qu'on a fait pour un client. Vous voyez, on met le trafic qui est fait, la progression, le chiffre d'affaires qui est généré, les mots-clés sur lesquels vous positionnez, la part de trafic naturel dans son trafic global. Et l'évolution du trafic depuis le début de l'année. Donc ça, c'est un exemple. Après, c'est à vous de construire votre propre tableau de bord, mais il faut avoir en tête qu'il faut mesurer ce que vous faites. Le SEO, c'est pas je suis bien référencé, je suis mal référencé, je suis premier sans me moquer. C'est vraiment une logique business. C'est combien je dépense, combien ça me rapporte. Comment vous pouvez prendre en charge votre SEO? Bah déjà, vous pouvez le faire vous-même. C'est certes de plus en plus compliqué, mais si vous êtes passionné, vous avez du temps et vous avez de l'énergie, vous pouvez apprendre et faire. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. J'ai pas une formation SEO dans une école, hein. J'ai tout appris sur le tas. Donc, il y a des livres. Donc, ça, c'est les meilleurs sur le sujet. C'est ce que je vous recommande. Ensuite, vous avez des formations qui existent en ligne. Pareil, là, je vous ai fait une petite compile. Des meilleures formations qu'on trouvait sur le sujet. Les deux premières sont des formations relativement, alors, je vais dire basiques, mais en fait c'est plutôt les bases, les fondamentaux, mais elles sont vraiment complètes. C'est une très bonne formation. Ça a l'air un petit peu plus poussé. Là, vous avez une formation pour devenir référenceur qui s'étale sur plusieurs semaines. Et ces deux-là, les deux dernières, sont des références, des formations référencement avancées. Donc ça, c'est des techniques vraiment pointues. Ne les prenez pas tant que vous n'avez pas au moins acquis tout ça. Ça, c'est si vous voulez vous former aussi vous-même, bah, sachez qu'il y a beaucoup de contenu en ligne, notamment dans les forums ou des blogs qui parlent de référencement et qui vous donnent le gros des choses à savoir. Donc vous pouvez vous auto-former sans acheter un livre et sans passer du temps à suivre des formations en vidéo ou à être dans une salle, simplement en lisant. Ça, c'est des exemples de contenus qui sont pertinents. Il y en a beaucoup, beaucoup.
petit retour d'expérience sur la formation. Clairement, pour moi, le SEO, c'est devenu un métier à part entière, c'est de plus en plus complexe. Donc, ne sous-estimez pas cette part d'apprentissage. Vous n'allez pas apprendre à référencer votre site avec trois astuces que vous allez trouver sur un site. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances à acquérir. De la même façon, vous ne devenez pas médecin en lisant de petits mots. Voilà, donc c'est pas aussi complexe que médecin, mais clairement, il y a beaucoup de choses à savoir. De mon retour d'expérience, il faut 1 à 2 ans minimum d'expérience pratique, c'est-à-dire en ayant fait des tests pour référencer son site, pour prétendre comprendre et maîtriser un peu le SEO et avoir des résultats. En deçà de ça, soit vous avez vraiment de la chance, soit vous êtes vraiment bon, mais globalement, en moyenne, il faut au moins 1 an pour arriver à bien comprendre tous les enjeux, comment tout s'articule ensemble et avoir des résultats concrets. Il y a une certaine efficacité en SEO. Qui dit beaucoup d'informations en ligne dit aussi beaucoup de temps à faire le tri. Ce qu'il faut savoir, c'est que ben, comme le SEO, ce n'est pas une science exacte, ben, vous allez avoir différentes sources qui ne disent pas forcément toutes la même chose. Donc vous allez avoir besoin de confronter vos sources et de faire le tri pour savoir ce qui fonctionne. Et vous allez aussi avoir besoin de faire des tests si vous voulez apprendre par vous-même pour voir ce qui fonctionne en général et ce qui fonctionne pour vous. Parce que ben, il y a différentes méthodes de référencement, il y a différents styles. Et donc il y a des choses sur lesquelles vous allez être à l'aise, des choses sur lesquelles vous pouvez être moins à l'aise. Donc il vous faut vous faire votre apprentissage aussi et le tri entre tout ce que vous allez pouvoir lire sur le sujet. Une autre option, c'est de recruter. Donc, alors le profil de référenceur spécialiste, alors là, je ne parle plus de quelqu'un qui fait que du SEO, parce que vous pouvez aussi recruter quelqu'un qui est responsable marketing et qui a des bases de SEO, ce qui peut être logique aussi dans certains cas. Mais le référenceur pur, celui qui fait que du SEO, en fait, c'est par excellence un mouton à 5 pattes, parce qu'il doit maîtriser certains aspects techniques, il doit avoir une compréhension du marketing. Il doit avoir un petit peu de connaissances, bon, littéraire, c'est un bien gros mot, mais il doit savoir écrire aussi, parce qu'on a vu beaucoup d'interactions avec le contenu. Et il doit savoir aussi gérer un projet. Et puis, je parle pas de négocier, parce que quand vous commencez à acheter des biens, bah, c'est bien de savoir négocier. Et il doit aussi avoir des aspects, la finance marketing pour savoir quand est-ce que ce qu'il fait, ça apporte un retour sur investissement. Alors, les salaires, on n'a pas vraiment des études précises. Il y a SEOCom, qui est l'association du référencement, qui fait tous les ans un petit panel. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent, donc ça reste très à la marge, en fait, la validité des réponses. Et en gros, selon les études, on est entre 25K brut par an et 70K, mais avec de grosses disparités suivant la seniorité des profils et avec quand même un manque de données. Donc, je pense que vous pouvez avoir des gens qui sont peut-être un peu moins chers sur des profils juniors. Notamment en province, parce qu'on a quand même une grosse concentration des gens en emploi, en SEO, qui sont sur la région parisienne. Quand est-ce qu'il faut recruter un référenceur? Bah, pour moi, c'est pareil, c'est un calcul de ROI. C'est-à-dire que si, par exemple, vous décidez de le faire vous-même, à quel moment vous avez suffisamment de retour sur investissement, vous générez assez de marge pour vous dire, bah, je peux le déléguer en interne à quelqu'un que j'embauche. Ou si vous avez décidé de le passer dans une agence ou un freelance, à quel moment, en fait, le coût de l'agence ou du freelance devient prohibitif et devient plus intéressant d'avoir quelqu'un qui est bon en interne parce qu'il va être plus rentable que de déléguer. Voilà. Sachant que vous pouvez aussi faire le choix de déléguer dès le départ et d'avoir quelqu'un sur lequel vous allez investir et qui va vous faire monter votre site. De jamais le déléguer en interne parce que vous voulez toujours avoir une équipe ou un freelance, quelqu'un qui est professionnel et qui va avoir la capacité à se confronter à différentes thématiques et à rester à la page alors que votre salarié en interne, bah, des fois, il est monothématique et ce n'est pas forcément toujours à jour de ce qui se passe au niveau de l'évolution des moteurs. Donc, vous pouvez aussi l'outsourcer. Bah, les questions à se poser, c'est freelance ou agence, sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux formules. Quel profil? Suivant vos besoins, vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui est plus dans la rédaction, quelqu'un qui est plus technique, quelqu'un qui a plus une approche marketing. Il faut vous poser les questions de votre budget. Donc, on a vu que le budget dépendait de votre retour sur investissement potentiel.
Combien vous pouvez dégager maintenant? Est-ce que c'est suffisant pour lancer une mission? Qu'est-ce que vous espérez en retirer? Quelle est la durée de la mission? À partir de quand vous pensez, vous estimez, vous aimeriez avoir du résultat? Quel type de mission vous pouvez lancer? Quelles tâches vous pouvez déléguer ou garder en interne, sachant que vous avez certains freelances ou agences qui font plus ou moins certaines choses et donc vous pouvez garder des choses pour vous, par exemple des clients à vous qui font eux toute leur rédaction. Alors, et d'autres qui vont avoir une agence web qui fait toute la partie technique. Donc ça, c'est pareil, le spectre d'émissions peut varier d'un client et d'un référenceur. Et puis après, il faut se poser des questions sur sur quels critères vous choisissez votre partenaire. Est-ce que c'est sa réputation, les résultats qu'il a déjà eu, ce que vous présentez, le feeling, les méthodes qu'ils ont employées. Indication, je vous recommande de faire attention à plus les promesses mirobolantes. Des gens qui vous disent qu'ils vont avoir des résultats rapidement, qui vont vous positionner premier facilement. Tout ce qui paraît trop beau pour être vrai, en général, c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Les référenceurs sérieux sont assez prudents et ont tendance à sous-vendre leurs prestations parce qu'ils savent que c'est difficile. Donc les gens qui vous disent ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est facile, on va y arriver dans 2 mois, vous serez premier, vous allez gagner des milliers d'euros, une centaine de milliers d'euros grâce au SEO, méfiance. Laurent? Et on est sur le digital. J'ai fini. Ok, super. Alors.